Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment installer Looping, qui est un logiciel pour Windows qui permet de créer des modèles conceptuels de données et bien plus encore. Alors Looping, voilà, on a du pot, ça sort bien. Donc Looping, modèle conceptuel de données, donc on a ici, voilà, je vais zoomer un peu, voilà, donc là il y a le lien de téléchargement, c'est la version 4, hein, c'est celle qui nous intéresse, donc c'est parti, on télécharge. Voilà, c'est téléchargé. On va dans le dossier de téléchargement. Donc, on récupère une archive. On va la décompresser. Hein, donc, je fais extraire tout. Voilà, il me propose un sous-dossier looping. Je l'enlève. Et on y va. Donc, l'archive, j'en ai plus besoin. Je le mets à la poubelle. Là, on se retrouve avec deux exés. Il y a la version 32 bits qui ne nous intéresse pas. On l'enlève, hein, donc on a une architecture pour ma part 64 bits. Je déplace sur le bureau. Voilà. Et donc bah, l'installation est finie. Hein, donc on peut voilà, on télécharge et Looping démarre. Donc je vais voilà, je redimensionne un peu. Voilà. Et ici on a dans le menu démarrer à propos. Donc on est bien avec la version 4 de Looping. L'installation est finie, c'est simplement un exe. Donc on peut, en cliquant sur Nouveau, créer un premier modèle de données. Donc là, il nous demande de récupérer les propriétés d'un modèle antérieur, on va lui dire non. Et c'est parti, on peut commencer à créer notre premier MCD, mais c'est une autre histoire. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.